Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man Miles Morales. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, mettez en 4K 60 FPS, évidemment pour profiter à fond. Et prenez un petit truc à boire et à manger. Et on va essayer de voir un petit peu. Voilà, 3 jetons d'activité. Clairement pas négligeable. On prend, il y a 16 capsules en tout. Et j'en ai évidemment 2. On va pouvoir continuer notre aventure. Il y a beaucoup de trucs cachés un petit peu partout. Et ça, on va pas se mytho. Ça fait plutôt plaisir. On a un crime à 300 mètres. Est-ce qu'on va le résoudre? Évidemment, vous savez qu'on commence chaque épisode dans la joie, la bonne humeur et la criminalité. Apparemment, non. C'est bon, le crime a été commis. 4 morts. C'est pas grave. C'est pas grave. J'allais dire c'est très bien comme ça, mais non. C'est pas grave. Donc ça, c'est toutes les quêtes secondaires, évidemment, qui permettent d'avoir beaucoup de jetons pour pouvoir s'acheter de nouvelles tenues. On va garder la tenue officielle de Miles Morales pour quelques épisodes quand même. N'abusons pas des bonnes choses. Et on va essayer de récupérer les capsules. Il y en a une juste à côté. Hop, on va passer par ici. C'est un petit raccourci, je connais bien. Venez, je vous emmène. Maintenant, c'est par où? C'est par là. Let's go. Et maintenant, on est... C'est par là. Oh, il y a une cache en plus de ça. Tu me régales. Il y a une petite cache. Petite cache des familles, là. Ok. 27 mètres. On va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça? Ok. Ah! D'accord. Eh, pas à moi, Zinedine. Pas à moi. Voilà, ça dégage. Bon, crime en cours. On va le résoudre, parce que j'ai pas pu faire un crime tout à l'heure. Avant, on va récupérer ce petit truc très sympa des familles. Ouais, ça c'est... Quoi qu'il y a aussi le... Attendez, qu'est-ce qui se passe? On y va carrément, alors? Ok. Ah oui, d'accord. Attends. Oh, c'est rien. Ah oui, d'accord, ça met des patates comme ça dès le début. Oh, toi, t'es un forceur, toi. Attends, bon, gros. Voilà, hein. Quand va falloir comprendre que quand faut mourir, sinon c'est très très chiant. Tiens, tu peux retourner au sol, je t'y amène, y'a aucun problème. Oh lolo, ça met des belles patates, hein, par contre. Ça régale. Hop, ça, c'est un montage en l'air. Tu veux retourner au sol? Voilà, retourne sur ton pote. Ah, je me disais, je sais pas pourquoi les gens s'affolent. Hop, toi. Ils sont balèzes, hein. En vrai, hein. Ils sont balèzes, hein. Et toi, bon, t'es là, tu me fais de la peine. Hop, ça dégage. Ok, voilà le dernier. J'ai eu très peur. Bon. Et bon, bah, le crime a été fini. Le crime a encore été commis. Ah, bah, les gars, je suis en intérim, là, les frères, hein, d'accord? Je viens de Manpower. Donc, pour ceux qui regardent les lives, vous comprendrez, évidemment, la petite dédie. Catastrophe s'est abattue sur la ville. Des explosions. Un pont qui s'effondre. On va descendre par là, let's go. La boutique est barricadée. Triste de l'avoir comme ça. Ok. Je devrais on va passer par là. Faut mieux pas attirer l'attention. Bon, c'est pas comme s'il y avait 20 000 personnes juste en bas, mais bon, hé, les gars, ça reste discret. Oh, hé. Oh, bonjour, la poussière. Ça doit faire longtemps qu'il n'y a plus personne. Chercher des preuves. Ok, c'est un très beau magasin informatique, ça, de télévision et de... Et d'utilitaire, évidemment, on apprécie. Oh, il y a des fours et tout. Putain, c'est incroyable, ça va vite. Un sac, des livres de Rick de l'ESU. Il suivait des cours du soir pour pouvoir s'occuper de la boutique. Il bossait comme... Ah, je suis encore sous le choc que Finn soit... Bah, soit la... une des grandes méchantes. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi c'est toujours les proches de Spider-Man qui tournent mal? Ok. Un pass Roxxon pour Ella Sterling. C'est Finn sur la photo. Mais... What the fuck, les amis? Finn planifiait un cambriolage. Elle peut correspondre, mais il faut faire quelque chose pour les cheveux. Un chapeau, peut-être? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, moi, je suis perdu, moi. Faites pas ces bails-là. Hein. Attends, on va re-regarder pour être sûr. Ok. L'équipe qui a créé le uniforme est tombé malade. Et Eric était... Non, il dirigeait le projet. Ok. Donc c'est Rick... Oh là là, mais c'est quoi ce délire? Et Rick est le père de Finn, donc... Dans quoi il a embarqué sa fille? C'est terrible.
Je crois hein, que c'est son père. Hein. En tout cas, c'est des proches depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est, Médoc ? Du GCSF ? Pour soigner des lésions de la moelle osseuse. C'était pour qui ? Bah alors, les gars ? Attends, ils sont fichés à remettre toutes les briques une par une. Ouais, j'ai essayé. Je vais essayer d'atteindre la pièce de l'autre côté du mur. Héros, je suis pas débile, mais enfin... Je suis Spider-Man, quoi. Donc, une patate, non? Je vois que ça. Oui, bon, voilà. Peut-être pas obligé... d'accord, en gros, il y a que la grosse patate qui fonctionnait. Ça, c'est une pièce secrète. C'est alors, on va en savoir un peu plus. Date de 6 mois. Je fais un test de transfert. Mon équipe tombe malade. Mais Krieger refuse d'admettre que c'est une uniforme. On doit agir ce soir. Attends. T'es sûr qu'on est prêt? On n'a pas le choix. Ils ont commencé à Harlem aujourd'hui. Plus tôt que prévu. Empoisonner la ville pour faire du fric. Ils ont encore réduit les coûts. Et ils ignorent les rapports de sécurité. Je les laisserai plus corrompre mon travail, Finn. Ok. On neutralise le noyau. Puis on efface toutes les données. T'es sûr qu'après, ils pourront plus en produire? C'est sûr. Ouais, tant qu'on détruit aussi les réserves de Jersey. Et sans moi, ils n'auront aucune idée de comment fonctionne l'uniforme. Le projet sera enterré. Je vais nous filmer. Si ça tourne mal, les vidéos iront direct au Bugle. Super. Prête à sauver New York? Prête. Il y a une deuxième vidéo. Et merde, je peux rien transférer. Mon portable doit être cassé. Tout ce qu'on a fait ce soir ne sera pas en vain. Je te le promets, Rick. Ils ont essayé de stopper le projet Nuform. Mais ça a mal tourné. La dernière position connue de son portable. Je peux le retrouver. Okay. Allez, allez! Disparais, disparais! Allez! Il est ici! Ah! Ok. D'un coup, ça les a fait flipper. Si j'attends que les snipers se soient calmés, je peux les éliminer d'en haut. Oh, ça c'est génial. Attends, lui c'est sûr. Voilà. Lui c'est sûr, il paraîtrait. J'ai dû déclencher une sorte d'alarme silencieuse. Aucun problème. Faites bon rêve. Hop, toi viens ici. Allez, 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 allez. Chris, tu me reçois? Chris? Quelqu'un peut aller voir ce qu'elle fait, elle répond pas. Ok. Ok, je vais voir. T'es tout ah. Seul, t'as aucune chance. Tu m'échapperas pas. Lui il est mort. Voilà les renforts. On lâche rien. Ils sont encore aux aguets. Je dois les laisser se détendre si je veux les avoir par surprise. Duquel ? On va nous
Ok. What? Ok, j'arrive. Voilà, ça dégage. C'est l'heure de la sieste. Bon, qui d'autre? Attendez, parce qu'il y a lui aussi là-haut, là. Oh voilà. Oh, ça, c'était stylé, par contre. Que dis-je, c'était giga stylé. Allez, Serge. Que quelqu'un aille voir ce qu'il fait. Je vais voir ça. Bah alors ? Hop ! T'as personne dans le viseur. Bon, si, tu m'as arraché la gueule. Wouh ! Bon, bah le camouflage, bah je l'avais plus, donc j'ai pas pu. Mais bon, il en reste que 3, ça va être ok, les gars. Regardez, boum. Hop. Tu l'as, mon pote. Hop, toi. Hop, tu dégages là-haut. Et toi, t'es la même personne. Allez, hop, tu prends pour les autres. C'est bon, hein. Montage en l'air. Let's go. Si j'arrive à retrouver le portable de Finn, je pourrais peut-être découvrir ce qui est arrivé à Rick. Et pourquoi elle est devenue Tinkerer. Ah, j'ai une adresse. Je crois que c'est le Prowler, les gars, hein, qu'on a vu. Hein. C'est le rôdeur, bordel. Je crois que c'est le rôdeur. Niveau supérieur. Let's go. Alors, t'as trouvé quelque chose dans l'atelier de Finn? Ouais. Je sais pourquoi elle fait tout ça. Quelque chose est arrivé à son frère. Un truc grave. Oh, ah non, c'est son frère. My Rick bad. Travaillait chez Roxxon. Il dirigeait les recherches sur le Nuform. Wow. Apparemment, le Nuform l'a rendu malade. Simon Krieger n'arrête pas de dire que c'est sans danger. Il ment. Finn et son frère ont voulu faire annuler le réacteur prototype pour pas que le projet voie le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas encore. Finn a tout. Wouh, ça c'est stylé, ça. Ça, on va pouvoir faire tellement de trucs stylés en l'air. Écoute, je bouge pas. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. Ça attendez. Hop, on va passer par ici, je préfère cette rue. Alors, bougez pas, parce que mine de rien, on a beaucoup de choses à s'appliquer, évidemment. Il y a vraiment quelqu'un sur le toit? Eh, New York, vous aimez trop être sur les toits, c'est un truc de ouf, hein. Donc, il est temps d'aller voir l'arbre de compétences. On a beaucoup, 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 beaucoup de points à s'attribuer. On va commencer par ça. L'énergie de camouflage se régénère 20% plus vite, ça c'est plutôt cool. Donc, on va prendre. Les attaques en mode camouflage coûtent moins en énergie de camouflage. On va attendre un petit peu avant de le prendre. Double la durée de la paralysie des ennemis, ça c'est pas mal. Agrandit la zone d'effet du point, ça c'est pas mal, on prend direct. Agrandit la zone d'effet de l'électromarteau, ça c'est... Oh, tout est vraiment pas mal en fait, genre ici, qu'est-ce qui se passe les gars? On va aller quand même dans les compétences de combat. Maintenez triangle pour exécuter une attaque bioélectrique. On va prendre... Les ennemis paralysés qui sont jetés sur d'autres cibles propageront la paralysie. Ah oui, c'est trop ça. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Permet de stocker un deuxième coup de grâce. Oh, génial. Génial, ça on prend. Il me reste combien de points de compétence? 0. Et ça... Non mais les, je suis speeder cheaté les gars. Ça va être terrible. Allez, on est parti. Oh comment c'est stylé aussi Eh, c'est trop stylé, on fait toutes les températures, c'est incroyable. Bon. La neige, la pluie, la brume, le matin, si le soir. Vous avez été blessé dans l'attaque de Roxxon Plaza, physiquement ou émotionnellement. Je vous en prie, je vous en prie. Les labos de recherche de Roxxon. C'est là que tout le projet de Nuform a démarré. Le téléphone est quelque part là-dedans. Et je crois que j'ai trouvé une entrée. Est-ce que vous croyez qu'elle s'est fait choper? Au sens de l'araignée, ça folle? Pas maintenant. Ils sont à l'autre bout de la ville pour un capot de ventilation. Ce conduit a un bouclier à haute tension. Qu'est-ce qu'il alimente? Faut
que j'arrive à le désactiver. Bah oui, bah oui. Allez, on est reparti. J'ai eu un bouclier à haute tension. Un petit bug juste avant, c'est pas bien grave, même si ça reste peut-être un petit peu chiant. Voilà, c'est un peu la fin du service. Voilà, stop, 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 stop. Calme-toi. Attendez, hein. Hop, viens par là-haut, toi. Ah oui, carrément. Viens par là-haut, toi. Ah ouais, carrément. Ok. Bon, les gars, je prends, hein. Je prends. On peut les arracher à l'autre bout du monde. Et hop. Allez, rejoins tes potes. Bon. Ok. Reste plus qu'à entrer dans le bâtiment. Alors, ça. Si j'arrive à charger des trucs. Ok. Eh ben, peut-être que je peux aussi les décharger. Non, pas du tout. Très bien. Technique différente. L'énergie absorbée a fait griller le générateur. Ah, d'accord, il y avait des fils de protection. Ok. Enfin, des lasers. Voilà. Ok. C'est pour aller dehors, pas très intéressant. On est bon. Me faufiler dans un labo rempli de gardes armés. Les vacances de Noël, c'est plus que c'était. Je devrais être à la maison, à comater, jouer à plein de jeux vidéo et regarder ce qui se passe en plein d'épices. Pff, sérieux. C'est par où? Bon, bah écoutez, on va au hasard, hein, on va au milieu. Hein. On va bien trouver, hein, c'est pas un problème, je pense. Et ben voilà, ça fait un tour et ça mène à l'autre bout. Let's go, c'était à gauche. Oh, c'est terrible. Je viens de tourner en rond. La personne qui a conçu ça devait pas avoir les idées claires. Ok. Alors. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Désolé, mais avoir la tête à l'envers, ça me déstabilise complètement. Oh, c'est pas vrai, ça fait deux fois que je fais la même erreur, c'est bon. Appuyez sur rond pour redescendre. Très bien. La tenue va sentir l'éponge. Ok. Continue. D'après le détecteur, le téléphone est dans les sous-sols, loin sous la surface. On descend calmement. Bonsoir, y a quelqu'un par ici? Ok. Signale une intrusion dans le système d'échappement. Si c'est l'Underground, descendez-les. Spider-Man ou Tinkerer, on capture. 5 sur 5. Et si on a besoin de renfort? Et ben voilà. Hé, gamin. Qu'est-ce qui te fait rire? Pour un, Miles. Pour un petit maigrichon. Tu frappes fort. Oncle Aaron? C'est toi, le rôdeur? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parie que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute, j'ai bossé pour Roxxon il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici... Alors, aide-moi. T'as... aussi têtu que ton père. D'accord, mais on fait ça à ma façon. Il y a un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrais te prévenir. Mine télécommandée. Certain si ça tourne mal. Te fais pas prendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Comment t'as fait ça? J'ai déjà eu affaire à ce genre de système. Concentre-toi. C'est le moment d'essayer les mines télécommandées. Faut encore faire un qu'est-ce qui cloche avec les caméras. Y a encore des coupures? Non, ça c'était à Harlem. Bruno, un flacon. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Un téléphone. J'ai tracé le signal. Ça venait d'un sous-sol, loin de la surface. Le point le plus bas du bâtiment est dans le fond du silo du réacteur. C'est là que tu dois aller. Faut quitter!
C'est quoi cette famille? Alors... Attendez, bougez pas, je vais m'occuper de lui. Yo, ça va ou quoi? Non, t'as personne en visuel, frérot. Et tu sais quoi? Voilà. Crois-moi, t'as rien vu, hein. Désolé, c'est toi qui as pris le plus cher de tous tes potes. Il devrait y avoir un conduit dans cette pièce. Ça va au labo, et ensuite au réacteur. Un réacteur à Nufor? C'est ce qui est marqué sur le plan, ouais. On va faire un petit récap, n'est-ce pas? Mon oncle, c'est le rôdeur. Mon père avait commencé une enquête sur mon oncle. Pendant que Finn, dans cette histoire-là, c'est une méchante. Et elle est avec son frère. Oh là là, c'est compliqué. C'est d'un compliqué. Quoi tout ce bordel? Bref, y'a rien qui va dans cette famille. Hé, hey, où est le Nuform que j'ai demandé? Oh, on essaie d'en fabriquer plus. Mais Mason ne nous a laissé aucune note. Et eh bien, il paraît que... Alors attendez, alors ça par contre, ça me déplaît un petit peu. Suite au bug qu'on a eu tout à l'heure, les sous-titres, je ne sais pas pourquoi, se sont littéralement... ont disparu. Voilà, et ça c'est très, très, très embêtant, n'est-ce pas? Ok, je préfère. Une forme a réchappé de l'incident sur le pont. Si je pouvais y avoir accès... Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous pensez pas? Si, Monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que sans elle, il sera impossible d'être fait dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentils, dégagez d'ici et retournez dans votre labo pour faire votre travail. Bon. Krieger a un délai à tenir. Il a l'air très énervé. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches? À Tinkerer. Tu vas me dire pourquoi tu me suis? Pour te protéger, tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu risque sa peau pour un téléphone. Finissons-en. Tu es près du réacteur prototype. Il faut que tu neutralises ces gars. Ça panique pas plus que ça, c'est plutôt très sympa, qu'en pensez-vous? Toi, pourquoi tu peux pas? Et toi? Non mais je suis cheaté. Je suis au début du jeu mais j'ai vraiment l'impression d'être cheaté, putain. C'est trop excitant. Sers-toi de ce terminal pour l'ouvrir. Tout ce qui se passe est beaucoup trop excitant. Alors. Attends un peu. Il y a d'autres labos dans la ville? Et ils contiennent tous un réacteur à Nuform. Oh mais c'est pas vrai! Nuform a rendu Rick malade. Je dois les arrêter. Concentre-toi. Trouve le téléphone et sors de là. Ok. Le réacteur est en dessous. Il alimente tout le bâtiment. Le téléphone est tout au fond. Je dois trouver un moyen de passer ce ventilateur. Et aussi tous ces types. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne te fais pas prendre. Ouais, j'ai bien compris, hein. Bon. Allez, les deux débilos, on y va. On rentre dans le cercle. Merci. Ok. Il y a lui aussi. C'est terrible, hein. Terrible, terrible tout ce qui se passe. Ok. Par ici. Ah, c'est terrible tout ce qui se passe. Bon. Pas vu venir celle-là. Personne l'a vu venir. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
Il y a le frérot là-haut. Bon, c'est pas vraiment un frérot, mais vous m'avez compris. Hop, viens par ici, toi. Voilà. Hop, mange. Ouf, oh, 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 le câble comme ça. Merde de l'assiette. Ouais, Gangi. J'appelle juste pour voir si t'es pas blessé. Ou bien mort. Merci. En fait, j'ai mon oncle qui me file un coup de main. Le gars qui travaille dans le métro. Ouais. Figure-toi que c'est aussi le rôdeur. C'est une longue histoire. Attends. Le rôdeur? Le voleur dans son costume violet? L'ancien voleur. Fais pas équipe. C'est temporaire. Ton oncle est le rôdeur? C'est dingue. C'est complètement dingue. Je sais. Je dois te laisser, Ganki. On en reparlera plus tard. Très très chaud. Viens par ici, frérot. C'est pas évident, il faut faire les choses stratégiquement, avec un peu de recul. Ok. C'est rien. Tu poses beaucoup trop de questions, petit. Viens par là, toi. Ok. T'aurais jamais dû venir ici. Frérot. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de drôle avec toi? Ah bah voilà, bah il est dedans, je l'ai déjà, j'ai juste plaqué. Let's go, c'est terminé. Bon. Dépêche-toi, petit. J'essaie de désactiver les caméras et les alarmes pour qu'il n'y en ait pas plus qui débarquent. Okay. Brise les câbles au-dessus du ventilo et il devrait s'arrêter. Okay, merci. On va essayer de rentrer. D'accord, on va les tenir en place. Très bien. Et maintenant les câbles. Ok, ça c'est fait. Et ben voilà. On rentre là-dedans. Ok. Et il est tombé bien bas ce téléphone, hein, dis donc. Parfait état. Incroyable, sans coque. La batterie est déchargée. Si elle explose pas. Cool. Bon. Caméra. Vidéo. La voilà. Ok. Faut être deux pour neutraliser le noyau. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le Nuforme. Ça t'embête pas? De détruire ta création? T'as vu dans quel état je suis. Détruisons cette saleté. Prêt? Ouais. Lancement du forçage dans 3, 2... Finn. C'était pas moi. Sabotage industriel. Sérieusement. Personne ne se souciera de quelques pauvres idiots malades. Ingénieur mort. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non! Non, non! Non! Je peux l'arrêter! Je peux l'arrêter! Non! Vite! Regarde pas! Il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Trouvez qui? Rick voulait sauver les gens. Et Krieger l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Oncle Aaron, okay. Tu peux enlever la protection du réacteur de là où t'es? Pourquoi? T'as le téléphone, on dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. J'ai besoin de toi, Oncle Aaron.
S'il te plaît. Mon Claron ? D'accord. Écarte-toi. Merci, mon oncle. T'arrives à bouger? Ouais. Ah! Passe par ce couloir, vite! Problématique ça, non? Je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression d'éclater. Allez, tu peux le faire. Parle-moi, petit. Tu vas bien? J'ai l'impression d'être tombé d'un avion. Mais au moins, le réacteur est HS. T'es presque dehors. Ah, j'avais vraiment besoin de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allez, petit gars. Je pourrais pas arriver avant Roxanne. Eh ben, c'était sûr. Envoie! Ok, calme-toi. Et tu te la pètes un peu, toi. Ok. Donne-moi ça. Non, je rigole. Récupère-le. C'est bon, rigole. C'est une blague. Voilà. Hop, montage en l'air. Boum, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Voilà. Miles, je viens de me faire éjecter du système. Donne-moi une minute. Je vais te sortir de là. Donne-moi une minute, hein, on a dit, hein. Wouh! Esquive! Bon. Allez, toi, tu fais ça. Et évidemment, une petite patate des familles. C'est Bibi qui régale. Ensuite, ok, on est bon. Tiens, on va prendre ça. Putain, mais dès qu'il trouve un bouclier par terre, les gars, un peu trop gourmand, vous, hein. C'est pas possible. Non, calme-toi, frérot. Hop, j'ai dit de te calmer. Bon! Avant qu'il arrive d'autres. Waouh! Trop cool la technique de camouflage! Comment ça? Il marche! Ok, on va se battre à deux! Vas-y, mon oncle! Hein. Arrache-moi tout ça! Hop! Voilà! Ça, c'est fait! Ok! Ça, c'est fait. Ok. Alors attendez. Wouh! Esquive! On va lancer ça. Oh putain, bien joué. Bien joué, j'ai rien pu faire. Ça a été monstrueux. Ok, hop, esquive. Oh, toi, viens par là. Esquive. Hop. Vache! Toi, c'est terminé pour toi. On récupère le full life. C'est pas tes oignons, Spider-Man. Okay. Wouh! Toi, prends ça. Dégage. Hop, prenez ça aussi. Voilà. Ensuite, une petite patate ici. Un petit saut ici. Et on est bon. Hop, esquive. Oh là 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 là. Ça, c'est un coup de grâce, évidemment. Classique dans le Connecticut. Bah alors, frérot, tu vois ton... Il se balade avec son lance-roquette au calme. Tiens, allez, reste à terre. Évidemment, je t'achève si ça te gêne pas. Quoi d'autre? Ok, toi, mon bro. Oh, oui, d'accord, important, frérot. Hey. Ça va? Oh, t'as pas honte un peu? Voilà, ça dégage. Oh, c'est pas vrai. Ok. Dégage. Ok, là ce qui se passe pour moi, pour le joueur français. Hop, ça. Oh, tous les lasers. J'ai. Oh la vache. Attends. What? What? Mais quoi? Mais j'ai pris quoi? Bah, j'ai pris ma part, ça fait plaisir.
Ok, on y va, hein. Salut. Hein. Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Attends que Roxxon se trouve une meilleure cible. Je peux pas me cacher. Je dois encore trouver Finn. Tinkerer, c'est ta copine. Pas étonnant que ça te tienne autant à cœur. Mais y a pas que ça. Je dois protéger New York. Sers-toi de Finn. Dis-lui que tu veux rejoindre l'Underground. Tu viens de dire de garder le masque. Non, lui dis pas que t'es Spider-Man. Demande-lui en tant qu'ami. Elle est trop maligne pour ça. Tu serais surpris. On devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Si je lui dis la vérité... Les faits avec ton père. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il... Il soutiendrait son frère. Mais il a coupé les ponts. Si je lui avais rien dit, j'aurais peut-être encore une famille. Tu sais ce que tu dois faire. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Miles, tu sais combien d'abonnés t'as gagné depuis que l'appli est en ligne? C'est un truc de malade. J'ai fait des calculs et je sais que tu m'as déjà dit pas de pub, mais on devrait peut-être y réfléchir. Non, ça marche. Non, t'as raison. C'était juste une idée. Alors, t'as trouvé le téléphone de Finn? Ouais... Mais... Il a fondu après que j'ai absorbé l'énergie d'un réacteur aniforme. Quoi? Et t'es pas mort? C'est ce que j'ai cru pendant une minute. Mais après, j'ai relâché toute l'énergie dans une espèce de mini-explosion. Heureusement que j'ai pas ravagé tout le labo. Ouah, il faut vraiment que je fasse une liste de tous les nouveaux pouvoirs. Alors, on fait quoi maintenant? Oncle Aaron pense que je devrais dire à Finn que je veux rejoindre l'Underground. Comme ça, je pourrais récupérer le nu-forme qu'elle veut utiliser pour faire je sais pas quoi. Wow, tu veux lui mentir ouvertement? Je sais... Mais j'ai pas d'autre idée. Tu sais ce qu'on devrait faire? Dis pas lister les pour et les contre. Exactement, lister les pour et les contre. Je dois agir, Ganky. Je comprends. Bonne chance, en tout cas. Appelle si t'as besoin.